President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber hears the testimony of a witness, QTCW 855, in relation to the first January Dam work site. Chantier du barrage du 1er janvier. Ms. Jesse Huang, please report the attendance of the parties Greffier, and other individuals at today's proceedings. Please stand on the microphone. Mr. President, for today's proceedings, all parties to discuss are present. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the main courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. Une lettre à cet égard, the witness who is to testify today, that is to TCW 855, confirms to her best knowledge that she has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nguyen Chi and Kiu Samporn, or to any of the civil parties admitted in this case. The witness took an oath before the Iron Club statute this morning and is ready to be called by the chamber. Thank you. Merci. President, thank you and the chamber notifies the request by Nguyen Chi. The chamber has received a waiver from the accused, Nguyen Chi, dated 25 June 2015, which notes that due to his health, that is backache and headache, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 25 June 2015 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chi by the duty doctor for the accused at the CCC, dated 25 June 2015, who notes that Nguyen Chi has a back pain and dizziness when he sits for long, and recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 85 of ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chi his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chi can follow it remotely. That applies for the whole day. Et ce pour toute la journée. Court officer, please usher the witness to TCW 855 into the courtroom. Dans le prétoire.
President. Good morning, Madam Witness. Bonjour, what is your name? Me dit le président. Comment vous appelez-vous? Witness. I was born in 1951. Je suis né en 1951. ลูกชายเกิดในที่ไหน Question Where were you born And Madam Witness please wait until Et quand êtes-vous né Microphone is on Et je vous prie d'attendre que le micro s'allume pour prendre la parole Witness, I was born in Balang commune, Barai district, Kampong Thom province. Dans le district de Balang, province de Kampong Thom. Question, what is your current occupation? Question, quelle est votre profession? Answer, I am a rice farmer. Réponse, je cultive le riz. Question, Where is your current Question. Address? Où habitez-vous? Answer. Réponse. Currently, I live in Barang commune, Barai district, Kampong Thom province. District de Barai, province de Kampong Thom. Question. Question. What is your husband's name and how many Comment children s'appelle votre époux? Do you have? Et combien d'enfants avez-vous? Answer. My husband's name is Sam Ri. Mon mari s'appelle Sam We have two Ri. Children together. Et nous avons deux enfants. Question. What are the names of your parents? Et comment s'appellent vos parents? Answer. Réponse. My father's name is Kong Cho. Mon père s'appelle Kong Cho. And my mother's name ma is Chan. Chan. Thank you, Madam Kong Ut. The graduate made an oral report this morning Merci. That to your best knowledge and ability, you La have no relationship by blank votre or by law to any of the two accused, that is Nguyen and Khi Sampong, or any of the civil parties admitted in case 002. Is that information true? Est-ce exact? Answer, yes, it is. Réponse, oui. Question, the greffier also reported that you already took an oath before the Iron Club statue. Is that correct? Des serments devant la statue à la barre de fer. Est-ce exact? Answer, yes, it is correct. Réponse, c'est exact. President, thank you. The chamber would like now to inform you of your rights and obligations as a witness. Le président, je vous remercie. Permettez-moi de vous énoncer vos droits et obligations en tant que témoin. Regarding your rights, as a witness in the proceedings before the chamber, vous comparaissez devant you la chambre may en qualité refuse témoin. To respond to any question à toute question. Or to make any comment. Which may incriminate you. Susceptible de vous that incriminer. Is your right against self-incrimination. Et de faire toute déclaration qui pourrait vous exposer now, à des poursuites. Now, on your obligations as a witness in the proceedings en before the chamber, you must respond to any questions by the bench par les juges or relevant parties. Ou les parties. Except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your right as a witness. Nous venons de vous le dire. You must tell the truth that you have known. Vous devez dire la vérité. Heard. En fonction de ce que seen, vous savez, vous avez vu, remembered, entendu, vécu.
experienced dont vous vous souvenez, or observe directly ou observez directement in relation to any event relevant to the questions that a bench or parties pose to you. En rapport avec la question posée par la partie ou le juge. And Madame Kong-ut, have you been Madame interviewed Kong-ut. By investigators of the office of the co-investigating judges? Du bureau des co-juges d'instruction? And if there is the case, how many times si tel est le cas, went and vous indiquer where? Le nombre de fois et où cet entretien a eu lieu? Answer. Réponse. I was interviewed once at the house oui, of the commune chief. Dans la maison du chef de commune. President, thank you. Le président. And merci. Before your appearance before the chamber, have you reviewed or read the written record of your statement ou lire, that you made with the OCIG investigators in order to refresh your memory afin de vous rafraîchir la mémoire avant d'entrer dans le prétoire? Answer, yes, I have read it, but oui, I cannot recall everything. Mais je ne me souviens pas de tout. Question. And to question. Your best knowledge, is the written record et of your statement consistent with les the statements you provided to the OCIG investigators? Dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Answer, I reviewed the written record of the statement, but I cannot recall it. J'ai lu le procès-verbal, mais je ne me souviens pas. President, thank you. Pursuant to le Rule 91 bis of the ECCC internal rules, the chamber grants the floor first to the co-prosecutor to put questions to Madame Kong-ut. Le témoin. And the chamber would like to remind the co-prosecutors and the lead co-lawyers for civil parties that both parties have a combined time of one morning, that is two sessions. And the co-prosecutors, you may proceed. Merci, bonjour Thank Monsieur you, le Président, Mesdames et Messieurs morning, les juges, bonjour à toutes les parties ici présentes au public. Public. Bonjour à vous, Madame le témoin, Kong-ut. Mon nom est Vincent De Wilde, je vais commencer par vous poser des questions pour le compte des coprocureurs et ma collègue aura également quelques questions à poser tout à l'heure. Will also have a few questions je vais for vous later. Demander de bien écouter les questions qui porteront toutes sur la période comprise entre avril 1975 et début janvier 1979 et vous essaierez, je crois, de répondre de manière précise et détaillée à ces questions. Vous avez dit dans votre procès-verbal D166-18 que vous êtes né et que vous avez continué à habiter au village de Trop, commune de Baleng, district de Barai, province de Kampong Thom. Pourriez-vous nous dire si, entre 1975 et 1979, vous avez fait partie d'une unité mobile regroupant des gens de votre âge with et de votre village de from Trop. Your village and who were of the same age as you. Answer. Between 1975 and 1977, I worked in a mobile unit. J'ai travaillé au sein d'une unité mobile. Uh,
Qui était votre chef, and who was your chef de groupe ou chef d'unité mobile group durant leader, or who ce was moment-là. The leader of the mobile unit during that period? Comrade Nghiêm, a woman was chief of my Nghiêm mobile unit. À la tête de l'unité mobile. She was from Chuksat village. Du village de Chuksat. But later on, I did not know where she went. Je ne sais pas où elle est allée par la suite. Est-ce que c'était votre chef direct ou bien was c'était le chef de l'ensemble de l'unité mobile et vous aviez un autre chef au sein d'un groupe plus restreint? And then you had a direct leader you would report to at a lower level. The mobile unit was formed to work at various work sites. L'unité mobile a été constituée pour aller travailler dans différents sites. D'accord. Et qui était fine. Votre chef and who was direct? Your est-ce qu'il y avait direct un autre, leader? Une autre personne qui vous dirigeait et qui était en dessous de Nîmes? Give you orders and who was below Nîmes? I cannot recall the names. Je ne me souviens pas de leur nom. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la were commune de Baleng qui étaient engagées dans ces travaux au sein de l'unité mobile? Est-ce in que vous avez une idée du nombre à peu près? Do you have an idea of the number of people from that commune? For a mobile unit that I was attached to, in fact, it belongs to the village, and in my group, there were about 10 plus members. Et nous étions une dizaine de membres. Vous avez dit dans votre procès-verbal à la page 2 dans les trois langues que vous aviez participé aux travaux du barrage du 1er janvier. Cela avait débuté en 1977. Est-ce que lorsque vous étiez sur le barrage, le site du barrage, est-ce que vous étiez toujours dans votre unité mobile du village de Troc? Were you still part of your mobile unit from Troc village? Yes, I was still attached to the mobile unit in Trahos village. J'étais toujours attaché à l'unité mobile dans le village. Est-ce que la construction du barrage du 1er janvier and, était ce que l'on appelait à l'époque un champ de bataille chaud? Was the January Dam works had called back then a hot battlefield? Indeed, there was the what was called. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et pourquoi l'appelait-on comme and ça? Why was it called like that? It's because of the intensive nature of the work. C'était en raison de l'intensité des travaux. Est-ce que sur place vous avez appris si ces travaux site, sur le site de chantier constituaient une priorité importante the work site de votre zone, c'est-à-dire l'ancienne zone nord zone, ou la zone that is centrale? To say the former north zone or the central zone. I do not really know about that. Je n'en sais I rien. Only concentrated on my work. Moi, je m'étais concentré sur mes travaux. Vous avez parlé d'intensité. Il y avait une forte pression sur les travailleurs pour terminer work. Les so travaux was there a lot of pressure put on the workers to finish du réservoir et du barrage the du 1er janvier to build the reservoir, to build the dam as fast as possible. We were instructed to work hard, and oui, we worked without heures. With very little resting time or a et short break. Il y avait très peu de pause. And the aim was to complete
L'objectif étant sooner d'achever les travaux le plus tôt possible. Est-ce que vous vous souvenez qui était le chef de la de votre zone à l'époque? Of your zone back then, et s'il venait who was the parfois zone leader, visiter and if this le site de construction from time to time du barrage du 1er janvier to visit, the one January dam work site. I do not know that person. Je ne connais pas cette personne. I only heard about the person from the top level, and whenever the person came to visit the work site, we were instructed to work even harder than what we were doing. Le chantier, nous devions, on nous avait donné instruction de travailler encore plus fort. Est-ce que c'est arrivé souvent qu'on vous donne l'instruction de travailler encore plus fort? Given orders to work even harder than usual? We were instructed to work starting from 4 o'clock in the morning, and for the morning session we only had a 15-minute break. Et le matin, nous n'avions qu'une pause de 15 minutes. We had lunch at puis 11, we rested a little bit, and we resumed working again at 1 p.m. and continued working until 5. Et ce, jusqu'à 17 heures. And after dinner, we had to return to work at 7 p.m. Nous devions retourner au travail à 19 heures. And only after we finished the night work, we would be allowed to rest. And sometimes there were meetings at night time. Mais il arrivait aussi qu'il and if there, there was any meeting on that night, we could only go to sleep by 12 a.m. On ne pouvait se coucher qu'à minuit. Je vais revenir tout à l'heure sur les horaires de travail. Vous avez dit que lorsque chef de zone, une personnalité visitait le chantier, vous deviez travailler plus fort. Est-ce qu'on vous a demandé également de courir, de travailler plus vite parce qu'il y avait des visiteurs when people came to visit? Whenever there was such a visit, our group chief told us that people from the upper level came to visit the work site, and we had to walk or running while we were working, and we did just that. Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez parlé des horaires de travail. Est-ce que ces horaires de travail étaient en réalité fait pour que coûte que coûte, ce barrage soit terminé dans les temps, dans un temps très rapide? No matter what, and very soon. Yes, indeed. We were told that we had to finish the work sooner. On nous a dit qu'il fallait compléter les travaux plus tôt. Alors, vous avez dit que les travaux avaient commencé en 1977. Est-ce que vous vous souvenez à peu près à quelle période en 1977, à quel mois, ou bien si vous ne savez pas, peut-être nous dire s'il s'agissait de la saison sèche ou de la saison des pluies? Was during the dry season or during the rainy season? It was during the dry season, but I cannot recall the month. Je ne me souviens pas du mois. Est-ce que vous avez travaillé pendant longtemps sur le barrage du 1er janvier? For a long time on the 1 January dam work site. Et si oui, à peu près combien de mois, si vous vous en souvenez? Case, for how many months, if you remember? I cannot actually recall the details, but I was there for about 4 to 5 months. Mais j'y étais entre 4 ou 5 mois. Avez-vous également travaillé par la suite sur le site du barrage du 6 janvier, le barrage juste à côté qui était lié au celui right du 1er next janvier door and which was connected to the 1 January dam work site? Well, I worked at the 1st January dam work site.
I was then arranged to marry my husband, and after the wedding, I was reassigned to work elsewhere. Et ensuite, après cela, j'ai été transféré ailleurs. For example, to build rice dikes, or to pull or transplant rice seedlings. Lorsque vous êtes arrivé and sur place arrived avec at the work votre site, équipe, with your est-ce que les travaux team, du barrage du 1er janvier avaient déjà commencé? Had the work already started at the 1 January dam des work site, premiers groupes or were you sur among place? The first groups to arrive at the work site? We arrived at almost the same times. Nous sommes and arrivés nobody à peu près en même temps. Was left behind. I refer to my group because our group et was assigned to go and work there. Je parle de mon groupe ici, car nous avons tous été affectés à ce chantier. Est-ce que au début de and votre travail sur place, vous avez assisté à une cérémonie pour lancer attend a les ceremony travaux to du launch site de construction? The work site. No, I did not. No. Only a group chief, for instance, attended that event. Seul le chef de groupe a participé à cet événement. D'accord. Est-ce fine, que vous avez continué à travailler au-delà de la saison sèche beyond the dry season? Durant la saison des pluies sur le site du chantier? Were you therefore working during the rainy season on the work site? No. No. I was not there. I only worked non, during the dry pas. Season and after non, that I was reassigned. Période sèche et ensuite j'ai été affecté ailleurs. Est-ce que vous connaissez une femme you know qui woman, vient du village de Tro, qui a témoigné ici, en fait, s'appelle Mi Lai Ho. Peut-être qu'à l'époque, elle était connue maybe sous le nom de Ho. Back then her name was Ho only. If she's from Tro village, si yes, village I Tra, know her. Oui, je la connais. Mais pour être sûr que vous l'identifiez bien, elle est mariée à un certain Person. She is married to a certain est-ce que c'est bien cette personne-là? So are we speaking about that person indeed? Yes, she is the one. Oui, her oui, husband's name is Srun. Son mari s'appelle Srun. Est-ce qu'elle a travaillé avec vous and sur le barrage le 1er janvier on the 1 January dam work site? Et si oui, est-ce que c'était dans and la même équipe ou dans la même unité? If such is the case, was she in the same team, in the same mobile unit as you? She was working there as well, but oui, I cannot recall aussi in which group she was attached to. À quel groupe elle était rattachée. Donc, est-ce qu'il y avait plusieurs groupes pour ce qui concerne le village de Several groups from Trof Village. Vous avez parlé d'à peu près 10 personnes. You spoke about 10 people, de 10 but were there therefore several de groups of 10 or more than 10 people? Yes, there were other oui groups. Il y en avait d'autres. But I cannot recall how many groups there were at the mais time. Je ne me souviens pas du nombre de tels groupes. Alors concernant le nombre now, de travailleurs regarding sur le site the du number chantier, of workers at the work vous avez dit devant you said, les enquêteurs to the investigators, le bureau des causes juges d'instruction dans le procès-verbal D166/18. À la page en français 2 et 3, en anglais page 2, en khmer page 3, vous avez dit qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers d'habitants sur place. Ils venaient des provinces de Kampong Speu et de Kampong Cham. La majorité étaient des jeunes hommes et femmes de l'unité mobile.
from the mobile units. End of quote for translation. En plus des gens de Kampong Cham et de Kampong Speu, vous-même vous veniez de Kampong Tom. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de Kampong Tom? Were there many people from Kampong Tom working at the work site? At the dam work site, there were many workers. Il y avait beaucoup d'ouvriers sur le chantier. There were tens of thousands of workers working there, and they came from a mixture of provinces, namely Kampong Tom and Kampong Cham. Et Kampong Cham. Est-ce que les gens qui travaillaient sur place venaient des trois secteurs de l'ancienne zone nord? Et peut-être pourriez-vous nous dire s'il y avait également des gens qui venaient de Kratché? I do not know if there were workers from Kratché province. S'il y avait des ouvriers de la province de Kratché. No, for sure, workers came from Kampong Cham province. Ce dont je suis certaine, en revanche, c'est que des ouvriers venaient de Kampong Cham. Comment se fait-il que vous avez été choisi pour aller travailler sur le barrage le 1er janvier? Est-ce qu'il y avait des critères d'âge ou de force qui étaient appliqués pour pouvoir sélectionner les gens? Account in order to select the people who would work there? As long as the women were single, they would be sent to work there because they believed that the single women possess more strength to work. Elles étaient plus fortes que les autres. Y avait-il également de très jeunes gens sur le chantier? People who were very young at the worksite? Pouvez-vous nous donner à peu près l'âge des plus jeunes? The age of the youngest people working there. No children working there at the worksite. Il n'y avait pas d'enfants qui travaillaient sur le chantier. The average age was from 20 or above. En moyenne, les gens étaient âgés de 20 ans ou plus. Parmi les travailleurs sur le chantier venant de Kampong Tom ou de Kampong Cham, est-ce qu'il y avait une majorité de gens qui appartenaient au peuple ancien? A majority of people ou non? Et est-ce qu'il y avait également des gens qui appartenaient au peuple nouveau? And were there also new people? The majority of adults was from 20, 23, and 25, and most of them were new people. Et la plupart étaient des gens du peuple nouveau. Et est-ce qu'il y avait également des Cham qui étaient sur place? And were there also some Cham on that work site? Cham yen. Answer yes. There were. Oui, il y en avait. There were Cham. Some of them living in the village and they joined the work with us. They were in the mobile units. Ils appartenaient à des unités itinérantes. Quand vous dites qu'ils vivaient dans le village, est-ce qu'ils vivaient là depuis toujours ou bien est-ce qu'ils avaient déjà été déplacés vers votre village? They were living in the village. Had they always lived in that village or they were moved to that village from somewhere else? These Cham people had just been evacuated from somewhere and they were put in mobile units so that they could help work. Tout à l'heure, vous n'aviez pas pu nous redonner le nom de votre chef d'équipe. En fait, dans votre procès-verbal, vous avez dit qu'il s'agissait de Young.
But in your record or interview, you said he was la page young. 4 en français, you said young was 3 en anglais et 4 en khmer. Est-ce que vous confirmez que c'était cette personne qui était votre chef d'équipe? Young, ça s'écrit Y-O-E-U-N-G. It's written as Y-O... Answer. Jung was the chief of the group consisting of 10 or 12 members. Qui était composé de 10 à 12 membres. Jung is still alive now today. Il est toujours en vie aujourd'hui. Parce qu'il y avait un autre chef de groupe qui s'appelait Neri Mei. Another group leader called Neri Mei, M-E. Is that the case? Answer, no. No. Female men were all died. La femme qui s'appelait May est morte. They were in a different units. Ils sont units. Tous morts. Ils appartenaient à d'autres unités. Vous ne vous souvenez pas de quelles fonctions, quelles étaient ses fonctions au sein d'une autre unité? Position of that person in the unit. No, this individual did nothing. Non. This individual passed away. Cette personne est morte, elle n'a rien fait. Vous avez dit tout à l'heure que vous commenciez à travailler à 4 heures du matin, juste pour confirmer, était-ce l'heure effective à laquelle vous commencez à travailler ou bien c'était l'heure à laquelle vous vous réveillez? The time when you effectively started work or the time when you woke up? Answer. At 4 a.m., we left for work station. Nous devions partir travailler à 4 heures du matin. Et donc, à quelle heure vous réveillez-vous à l'époque? So at what time did you wake up during that period? We woke up at before 4 in the morning. Nous nous levions à 4 heures du matin. And after we woke up, we dressed, and after we heard the whistle, we would leave for our workstation. Et lorsque le coup de sifflet avait retenti, nous pouvions partir au travail. Vous avez travaillé plusieurs mois sur le chantier. Est-ce qu'il y avait une distance à couvrir entre le lieu où vous dormiez et le lieu où vous travailliez? Est-ce que cette distance a changé au fil du temps? Where you worked, and did that distance change with time? The sleeping quarter was far away from the Le dortoir était it assez was éloigné about, du chantier. 500 meters away from the work site, and we stayed at that sleeping quarter. C'est là que nous dormions. Always, until the end of the regime. C'est là que nous avons dormi jusqu'à la fin du régime. Dans votre procès-verbal d'audition, et tout à l'heure, vous avez dit que vous travailliez le soir. Statement, you dans le procès-verbal d'audition, vous avez précisé que c'était entre 7 heures du soir et jusqu'à 10 heures du soir, et que parfois, il y avait des réunions, et que c'était seulement à minuit que vous pouviez vous reposer. C'était à la page 3 en français, page 2 et 3 en anglais, page 3 en khmer. In English and est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous deviez travailler autant dans votre unité mobile Can you why you work so et hard dormir in aussi your peu mobile unit and slept so little? Answer. We were not explained L'on why ne nous a pas donné we were told to work hard. On nous a simplement dit qu'il fallait travailler dur. Vous avez parlé de réunions. De quel genre de réunions s'agissait-il? Était-ce des réunions de critique ou d'autocritique ou bien d'un autre type de réunion?
le soir. Criticism or self-criticism meetings or any other types of meetings in the evenings. There was a meeting, a criticism meeting. In that meeting, we were told to work hard and to C'est au cours de ces réunions que l'on nous disait de travailler dur et de nous lever à temps, à l'heure. À propos du travail de nuit, est-ce qu'il y avait des gens qui souffraient de troubles de vision la nuit, ce qu'on appelle les héméralopes, qui devaient travailler la nuit sur le chantier? And who had to work at night on the work site? Answer, no. No. But the cook had a night blind, and one of the cooks who went to the kitchen at night, because she had a night blind, she would fall off the road. Vous pouvez parfois tomber la nuit. Donc, est-ce que vous parlez de ce qui se passait dans votre unité? Are you talking about what happened in your unit? J'imagine que vous ne pouvez pas trop savoir ce qui se passait ailleurs. Est-ce que c'est correct? Dans votre unité, il n'y avait pas d'héméralope, c'est ça? Are you correct in saying that in your unit, you didn't have people who suffered from night blindness? Answer, no. Non. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistait votre travail quotidien sur le site du barrage? Quelles tâches deviez-vous accomplir à partir de 4 heures du matin et jusqu'au soir? What work did you have to do from 4 a.m. Answer. We started work from 4 a.m. to 7 a.m., said the witness, and we had a break at 11 to have lunch. Nous faisions une petite pause à 11 heures pour prendre le déjeuner. Bien, en fait, la question, c'est de savoir quel genre de travail faisiez-vous. Est-ce que vous deviez, par exemple, porter de la terre? What kind of work? Est-ce que vous deviez creuser la terre? Est-ce que vous deviez travailler à construire le barrage avec du béton? Quelle était votre tâche à vous? Build the dam with concrete. What was the nature of the work you did? I did the earth carrying work. And j'étais chargé de transporter la terre. Were responsible for digging soil. Female worker only that did the earth carrying work. Les femmes ne faisaient que transporter la terre. Est-ce qu'il y avait des quotas à remplir par jour? Et si oui, combien de mètres cubes deviez-vous transporter personnellement par jour? Did you have to transport each day personally? Answer. The land was measured and given to the workers to dig. Le terrain était mesuré. There was a On demandait quota aux ouvriers set. De creuser la terre et des quotas étaient fixés. Est-ce que ces quotas étaient les mêmes pour chaque période ou bien ces quotas variaient en fonction peut-être de la qualité du sol? Et pourriez-vous nous donner une idée de combien de mètres cubes, est-ce que vous en souvenez, vous deviez transporter par jour? You had to transport a day, if you do remember. The land was measured and given to the worker, and the female and male workers had to complete the land which was measured and given to us. De la parcelle qui leur était confiée. Est-ce que vous pourriez nous décrire
vous remettre dans la situation de l'époque et nous décrire les difficultés qui étaient les vôtres de transporter cette terre et éventuellement les maux dont vous souffriez à la suite de cela. Also tell us if you suffered from any particular health problems as a result of that. Answer. I endured from hard labor and I was suffering from that and the injury sustained until now. Et je souffre des séquelles de ces blessures jusqu'à présent. Quelle était environ la distance sur laquelle vous deviez transporter les paniers remplis de terre entre l'endroit où on creusait et l'endroit où on érigeait la digue? Where you had to dig the soil and where the dikes were built. What was the distance? Answer. The depth of the dike was about 30 or 40 meters, and we had to carry earth from the bottom of the dike up to the embankment. Depuis le bas de cette digue sur la berge. Est-ce que c'était sur le territoire de la commune de Barai que vous avez was that dû transporter la terre et ériger des digues? Commune that you had to transport the soil for the purpose of building the dikes? Answer. I did the earth carrying work at Prey Songhai, Balang district. Je transportais la terre à Prey Songhai dans le district de Balang. Est-ce que dans cette zone il y avait beaucoup de rochers ou de cailloux dans la terre, ou bien le sol était plutôt rocks and stones meuble? In the soil, or the soil was rather soft? Oh no, like cap dung. Answer. The surface of the land consisted of a soft soil, but beneath it, le terrain était assez meuble. It was rocky. Mais en dessous, and as I stated, male worker did the digging work, and female worker had to do the earth carrying job. Transportaient la terre. Est-ce que vous avez vu ou appris qu'il y a eu des accidents sur le chantier, notamment en raison d'éboulements de terre ou de cailloux? On the work site, as a result of landslides and falling rocks and stones. I knew that the work site close to the bridge suffered from the casualty, and there was an individual breaking the rock, and when the rock fell off, the rock hit that individual and he died. Des cailloux sont tombés, une personne est morte. Est-ce qu'il y a également eu une partie du pont ou du barrage qui a été emportée par les flots à un moment donné? Or dam carried away by floods at a point in time? Answer. No. No soil collapse, but I heard that the rock fell onto the worker and the worker died. Tombé sur un ouvrier qui en était mort. Bien,
J'en viens aux conditions de travail et de vie, plus spécifiquement la nourriture. Vous avez dit ceci devant les juges d'instruction, procès-verbal D166-18, à la page 3 dans toutes les langues. On vous a posé la question de savoir quel était votre régime alimentaire. Et vous avez dit, je cite, on nous donnait deux repas par jour, celui de 11h et celui de 5h de l'après-midi. Il y avait un plat unique et la plupart du temps c'était de la soupe de poisson. De cancho, une sorte de petit poisson d'eau douce, mélangé à des feuilles de tamarini. Fin de citation. End of quote. Vous aviez deux repas par jour, le premier repas était à 11h. Comment faisiez-vous pour tenir le coup, pour avoir assez d'énergie pour travailler de 4h du matin jusqu'à 11h du matin sans manger? To work from 4 a.m. in the morning up to 11 a.m. in the morning without eating. I had to endure that working condition, even though I was exhausted at that time and I was suffering from injury. Y compris lorsque j'étais blessée. Par rapport au travail et aux longues heures dont vous nous avez parlé, le travail à accomplir sous le soleil, est-ce que les repas qu'on vous donnait étaient suffisants? Est-ce qu'ils pouvaient vous donner assez d'énergie pour accomplir toutes vos tâches? I had to eat meal anyway, even I did not have je devais prendre mes repas, enough food to eat. I did not même eat si je at n'avais my pas suffisamment à manger, fuel, même si je ne mangeais pas à and, satiété. As I stated, I had to eat it, even that the food was not delicious. Et je devais manger également si la nourriture n'était pas si fameuse que cela. Est-ce qu'il est arrivé que vous-même ou vos collègues volent de la nourriture en cachette, that you or your colleagues would steal ou cueillent food des fruits in hiding, for instance, ou attrapent des insectes ou des grenouilles, fruits, or catch insects and frogs? I had no such experience, and I did not know about the experience in other units, and I never stole things. Je n'ai pas entendu parler de cela non plus dans les autres unités. Bon, pour ma part, je n'ai jamais rien volé. Est-ce qu'il est arrivé que des travailleurs qui étaient malades continuent à travailler par peur d'être privés de nourriture? Ou en d'autres termes, est-ce qu'il est arrivé que des gens soient privés de nourriture parce qu'ils n'avaient pas assez travaillé? Did it happen sometimes that people were deprived of food because they hadn't worked enough? I never witnessed it. Je n'en ai jamais été témoin. People got sick. The sick would stay in the hall, and the medic would come to treat them. Les gens qui tombaient malades restaient dans le dortoir, et le personnel soignant pouvait venir les voir. Est-ce que vous aviez accès à de l'eau de qualité, de l'eau potable? Water of et d'où venait l'eau que vous deviez boire? Drinking water. And where did you get such water from?
And so the water was brought from the river and it was boiled. L'eau venait de la rivière, on la faisait bouillir. Est-ce qu'il arrivait que vous deviez boire de l'eau qui n'avait pas été bouillie? Did you sometimes have to drink water that had not been boiled? Answer, yes. Oui. If the water was not boiled in time, and if I was too thirsty, I would drink it. Si l'eau n'était pas bouillie à temps, si j'avais trop soif, eh bien je buvais de l'eau non bouillie. Est-ce que vous saviez que vous risquiez de tomber malade en buvant de l'eau non bouillie? That you ran the risk. Pourquoi est-ce que vous buviez cette eau malgré tout? By drinking unboiled water, and why did you drink such water in spite of such risks? Answer, I knew that I would fall sick, but if I did not drink, what else could I do? I had to drink it. Mais il fallait bien que je boive. Je n'avais pas le choix. Quant au logement, vous avez dit à la page 3 dans chacune des langues de votre procès-verbal d'audition, on construisait de longs hangars avec de petits arbres, on posait des nattes en feuilles d'un tchak sur un support soulevé de la terre. Le logement et les repas étaient collectifs, mais les femmes et les hommes étaient séparés. Fin de citation. We ate collectively, though men lived separately from women. Est-ce que vous dormiez bien à l'époque où vous travailliez sur le chantier du barrage du 1er janvier pour récupérer des fatigues de la veille? January dam work site in order to recuperate following the tiring work you had done the previous day. Il y avait de longs dortoirs. And it was painful to sleep in that long sleeping quarters. And as I stated, so when we were bitten by bed bugs, we would wake up. Des punaises, et ces punaises nous réveillaient lorsqu'elles nous piquaient. Beaucoup de gens parlaient de mouches sur le chantier pendant la journée. Est-ce qu'il y avait également est-ce que vous étiez piqué par des moustiques la nuit? Est-ce que vous étiez protégé par des moustiquaires? Did you have mosquito nets covering where you were sleeping to protect you? No sleeping mats or mosquito nets. Il n'y avait pas de moustiquaires. Rather, mosquito nets. And we had to sleep in the open air, said the witness. Il n'y avait pas de moustiquaires, nous devions dormir à l'air libre. Concernant la santé et l'hygiène, voilà ce que vous avez dit à la page 3 en français, 3 en anglais, 4 en khmer, de votre procès-verbal d'audition D166-18. La question est la suivante. Au chantier du 1er janvier, y avait-il des malades? Et vous avez dit, nombreuses personnes tombaient malades à cause de la pénibilité du travail qui allait bien au-delà de leur force. Ces personnes étaient atteintes de maladies telles que des fièvres ou des maux de ventre. Là-bas, il n'y avait pas d'hôpital, mais il y avait des médecins qui se déplaçaient et des médicaments de crotte de lapin à la disposition des malades. En cas de maladie grave, on envoyait les malades à l'hôpital qui était situé loin du chantier. On ne les laissait pas mourir sur place. Was wanted to be left fin dead at the site. End of quote. Vous dites qu'il y avait de nombreux you travailleurs qui tombaient malades parce qu'ils travaillaient au-delà de leur force. Because they worked beyond their strength. Pourquoi ces travailleurs ne disaient-ils pas simplement à vos chefs
Why wouldn't these workers simply complain to their chiefs and tell them that they were too tired to work? Answer. No one took the courage to tell the chief. Personne n'avait le courage and we had de le to dire work au chef. Until we could not. Il fallait travailler by then we, jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Would dare to tell the personne chief. N'osait en parler au chef. Nous savons que vous n'êtes pas médecin ou infirmière, mais d'après ce que vous avez pu voir, quelles étaient les maladies saw, les plus courantes parmi les travailleurs du chantier, enfin, auxquelles ont été soumis les travailleurs du chantier. Answer. Some of them got abdominal pain, headache, or fever. Est-ce qu'il est arrivé que des ouvriers perdent connaissance sur le chantier en raison de leur épuisement? Because they were exhausted? It did not happen in my group. Ça ne s'est pas produit dans mon groupe. However, some of my group members got sick from overwork, so certains membres de mon groupe gave that person a traditional massage or coaching, and after she recovered, she continued working again. Vous dites qu'on ne laissait pas mourir les gens sur place, qu'on envoyait les malades souffrant de maladies graves à l'hôpital loin du chantier. Arrivait-il que certains malades évacués vers l'hôpital ne reviennent pas au chantier ou dans le village d'où ils étaient originaires? For people who were moderately sick, would return after they recovered, but I did not see those who were seriously sick return to work again. Dans la traduction française de l'extrait que j'ai lu, il est question de médecins. Mention of medics who would travel to the work site. Étaient-ce de vrais médecins qui avaient longtemps étudié ou bien est-ce que c'était des gens qui avaient été formés très rapidement? Were these people who had been trained on the spot? The medic received a short training only and was assigned to go and work there. Et ensuite avait été envoyé travailler là-bas. And only moderate symptoms of illnesses could be treated and not the serious illnesses. Pas les maladies graves. De manière générale, au bout de votre travail sur place, au bout de 4 à 5 mois, quel était l'état général physique qui était le vôtre et celui de vos collègues? Est-ce que vous étiez en bonne santé ou est-ce que vous étiez faible ou maigre? Were you in good health or were you weak and skinny? Of course, some workers became weaker oui, the longer they continued working, and some were ill.
But I myself was lucky enough not to get ill. J'ai eu la chance de ne pas tomber malade. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été blessé, que malgré tout vous deviez travailler. Quel genre de blessure aviez-vous? So what kind of injury did you suffer from? I got cuts here or there while I were working there. Sometimes I stepped on sharp stones and I got my feet cut. Sur un caillou pointu et de me couper la plante du pied. Est-ce qu'il y avait des miliciens, des gardes, or guards, ou des soldats or soldiers, sur le site du chantier du 1er janvier at the One January Dam qui avaient une mission de surveillance? Who were there watching over you? Yes. There were militias or guards on oui. site and they were there to watch over the workers. Qui surveillaient les ouvriers. Est-ce que vous savez d'où ils venaient? Did you know where they came from? Est-ce que c'était des communes, did du district, come from the communes, du from secteur the district, ou de la zone? From the sector or from the zone? There were some from the same commune, and there were others who came from other areas, though I cannot recall from which villages or communes they came. But I noticed the presence of militias from the same commune. De miliciens de la même commune. Est-ce que ces miliciens étaient-ils armés? And were these militiamen armed? Yes, they were. Oui. Oui, ils portaient des armes. Lorsque vous dites qu'ils surveillaient les travailleurs, when you said that they would watch over the workers, que faisaient-ils exactement? What would they do exactly? Est-ce qu'ils patrouillaient? Would they patrol? Quel était leur rôle exactement? What were they doing exactly? What was their exact duties? They were on patrol, watching over the workers on site. Et surveillaient les ouvriers. They carried weapons and they were walking up and down to watch over the workers. Et patrouillaient et surveillaient. Est-ce que parmi les gens qui travaillaient sur le chantier, les gens appartenant au peuple nouveau où les Cham étaient soumis were the à new people une surveillance or the particulière subjected ou à une discipline to particulière? A specific form of supervision or to a specific form of discipline? We were subject to the same treatment. Nous subissions le même traitement. That is, regardless of your status, whether you were old, best person, or you were new person. On était du peuple nouveau ou du peuple de base, on était traité de la même façon. Est-ce qu'on vous a parlé sur le site lors de réunions during meetings, de la notion d'ennemi? Were you told about enemies? À la révolution. Enemies et to the revolution, and who was considered an enemy to the revolution at the worksite? I cannot recall that. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que les gens qui commettaient des fautes, and qui critiquaient les travaux, who qui refusaient de travailler, the people who criticized étaient punis? The working conditions, were they punished? I have no knowledge about that. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est parce que dans votre unité, il n'y a pas eu ce type de cas que vous ne savez pas? Kind of case did not occur? Ou est-ce que vous avez appris quoi que ce soit en dehors de votre groupe ou en dehors de votre unité? It might have happened in other units. Peut-être cela s'est-il produit dans d'autres unités. But I did not hear about it. Mais je n'en ai pas entendu parler. President, thank you, Deputy Co-Prosecutor. It is now convenient for the chamber to take a short break. We take a break now and resume at 10:30. The court is now in recess. Suspension de l'audience.